Le mur de Berlin est tombé en 1989. La ville, partagée, développe désormais unie. Berlin, l'ancienne, la nouvelle capitale au centre de l'Europe. Les anciennes liaisons ont été réétablies. Ce sont plus de 3 millions d'habitants qui font connaissance. Avec les nombreux visiteurs, tout se retrouve à la recherche de pistes dans cette métropole aux mille visages. Kreuzberg, le petit arrondissement, au cœur de la ville, illustration claire des chocs. Entre les extrêmes, dans Berlin et le théâtre, y habitent des étudiants, des Turcs et des Berlinois à gueule. La cascade existe dans le massif des Géants et dans le parc de la Victoire. Son point culminant accueille le Mémorial National de Schinkel, qui commémore les guerres de libération de 1813-1815. La croix qui coiffe ce monument de 20 mètres donne son nom à la colline, puis à tout l'arrondissement. Avant cette époque, la colline portait le nom de vignoble arrondi. Depuis le XVIe siècle, la vigne était cultivée sur ses coteaux. Cette culture cessa en 1740. Au XXe siècle, dans les années 70, cette tradition réparut. Depuis, ce vignoble est le plus septentrional de toute l'Allemagne. Il produit actuellement environ 1000 bouteilles par an. Il est mis en bouteille, conservé dans les caves du gouvernement de Hesse, mais il est impossible d'acheter ce rare breuvage. Il est servi uniquement à des invités de ville triés sur le volet. Les arrière-cours et leur milieu sont caractéristiques de Berlin, mais ceci se fait de plus en plus rare. Une des plus belles cours reste Riemershofgarten dans la Rockstrasse. Lorsqu'on flâne dans cet ensemble du début du siècle, on se retrouve dans la belle époque. Même l'architecture moderne ne détruit pas l'harmonie générale. Une promenade dans les impressionnants cimetières du Meriendamm deviennent également une expédition passionnante dans le passé. Ils reposent là dans des tombeaux aux riches ornements, ceux qui écrivirent l'histoire ou à propos desquels on écrivit. Bâtisseurs, légendaires, inventeurs de génie, de nombreux artistes. Nous rencontrons aussi l'art dans la nouvelle Galerie Nationale, à deux pas de la Philharmonie et de la salle de musique de chambre. La construction d'acier et de verre fut conçue par Mies van der Rohe. Le sous-sol accueille des œuvres des 19e et 20e siècles. Le rez-de-chaussée, des expositions d'artistes contemporains. À l'extérieur, la sculpture 4 quarts dans un quart de l'américain George Riquet. Les cadiats coulés dans le béton de l'artiste Wolf Hostel déclenchèrent d'abord des remous, mais elles sont désormais tolérées. Elles se dressent toujours Rathenau Platz, au milieu du trafic ivrombi. L'art dans les lieux publics. Avec vue sur l'église du souvenir, cette sculpture a un emplacement marquant, juste devant Europa Santa de Karl Pepper. L'intérieur est impressionnant. Le centre commercial avec plantes et jeux d'eau propose de nombreux restaurants, cafés avec musique live, un cabaret, un hôtel et environ 100 commerces avec 1,8 km de devanture sur 3 niveaux. Des services de tout type 24 heures sur 24. Autour de cette sculpture devant Europa Santa, une ambiance internationale. Les Berlinois appellent la sculpture sans aucun respect Boulao. Occasion de loisirs en plein centre-ville au point de rencontre des touristes attirés par l'église du Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Construite en l'honneur de Guillaume Ier, inaugurée par Guillaume II en 1895, elle a été bombardée en 1943. Incluse dans un bâtiment neuf, elle est un symbole de Berlin. Le café Kanzler jouit également d'une renommée mondiale. La visite est obligatoire pour tout flâneur sur le coup d'âme.
Le Kurfürstendamm doit son nom au prince électeur Joachim II, qui fit établir ici, au XVIe siècle, une piste cavalière vers le château de Grunewald. Otto von Bismarck, ancien envoyé prussien à Paris, voulait s'inspirer des Champs-Élysées, transformer ce chemin d'un rondin en un grand boulevard. Il se battit pendant 10 ans pour que cette zone soit mise en valeur. En 1882 fut fondée la société du Kurfürstendamm. Le Kudamm est aujourd'hui international. La nuit, le Kudamm scintille d'une lumière d'une grande séduction. Berlin était déjà connu dans les années 20 pour sa vie nocturne agitée. Des bistrots en sous-sol, des salles, Café Bauer, Unter den Linden, et de vastes cafés avec jardins étaient prisés. Aujourd'hui, les dimanches sont moindres, même dans les cafés sur la rue. Les vrais Berlinois se trouvent plus rarement sur le Kudamm le soir. Ils préfèrent se retirer dans leur café habituel. Sur le Kudamm, la vie nocturne dure jusqu'au matin et on propose pour tous les goûts. Big Eden ou Far Out, le choix parmi les boîtes est énorme. Même la mode créée à Berlin éveille l'attention au plan international. Le nouveau cœur de la ville bat à Potsdamer Platz. 40 ans après la guerre, un lieu s'érige sur le terrain vague situé entre l'Est et l'Ouest, qui doit renouer avec un passé glorieux. Une ville du futur a été conçue sur une superficie de 68 000 mètres carrés. Sony, par exemple, y a bâti une petite cité des médias pour 1,5 milliard de Deutsche Mark. Avec immeubles de bureaux, cinéma et un immense forum couvert. L'architecte italien Renzo Piano a été chargé de la planification de l'ensemble. Il créa des gouffres entre les gratte-ciels très inhabituels pour Berlin, qui alternent avec des oasis de détente en flair méditerranéen. Mais la Potsdamer Platz, c'est aussi ça, un parc de distractions avec un casino, un théâtre musical, des restaurants, des hôtels et un cinéma multiplex. Les arcades offrent de la place pour plus de 100 commerces. Ils sont répartis sur 3 niveaux de vente. Voici la place du marché de ce nouveau centre. Le Berliner Zoo est situé dans la partie ouest de la ville. Le Ost-Berliner Tierpark est situé près du Schlosspark de Friedrichsfelde. Le zoo mérite bien plusieurs superlatifs. Premier zoo d'Allemagne, ouvert en 1844, il compte aujourd'hui parmi les plus modernes et importants du monde. Un spectacle proche de ceux d'une foire est devenu un parc animalier unique. Ce sont 14 000 animaux de 2000 espèces différentes qui y vivent. Les visiteurs sont nombreux, car le zoo possède un grand avantage. Il est situé en plein centre de la ville. La gare du même nom est gare de transit vers Varsovie et Moscou, ou terminus pour de nombreux visiteurs. Les S-Bahn passent toutes les minutes. Ces trains relient les quartiers périphériques au centre et contribuent avec les métros à alléger le trafic dans le centre. De telles images sont rares car la vie bat son plein dans cette métropole. Que ce soit sur la place devant le cinéma Zoopalast ou bien à la Winterbergplatz avec sa gare de métro, joyeuse d'architecture, elle fut la première gare de métro de la ville classée monument historique. Ce nœud important de transport est situé aux portes du KDV. Il s'agit d'un des plus grands temples du commerce du continent. Le nom Kaufhaus des Westen est plus ancien, mais il a des relents de guerre froide. À l'époque, la mairie de Schöneberg écrivait l'histoire construite en 1912-1914.
Elle abrite la cloche de la liberté, très symbolique. On ne saura jamais vraiment comment l'ours est devenu le symbole de la ville. Il apparaît en 1218 pour la première fois dans le sceau de la Guilde des Fourrures. Une autre mascotte est depuis impensable pour la ville de Berlin. L'amour immodéré des Berlinois pour les animaux se concrétisa en 1950 avec la création d'un cimetière pour animaux à Lankwitz. Canaries, tortues, hamsters, chats ou chiens, les chers compagnons trouvent ici le repos éternel. Après cette escapade, dans le sud, tournons-nous vers l'ouest de la ville. Sur le Hohenzollern-Damm, un autre exemple des contrastes. La gare de la période Empire jouxte un immeuble moderne en acier, en béton et en verre, et non loin de là, la tour de la radio des années 20. Les Berlinois l'appellent le Grand Escogriffe. Et voici le terrain de la foire et le centre international des congrès. On y trouve à l'entrée une sculpture de Jean Epoustegui. Ekbatana, l'homme construit sa ville. Le titre est en programme, un complexe ultramoderne. Une vraie ville dans la ville, les dimensions énormes. 320 mètres de long, un espace de 800 000 mètres cubes construit les techniques les plus modernes en leur prix. Coût total presque 1 milliard de Deutschmark. Au nord du centre des congrès ICC à la lisière nord de Grunewald se trouve le stade olympique. Il peut accueillir 76 000 spectateurs. Cette arène fut construite en 1936 par Werner Mage pour la 11e Olympiade. Elle demeure aujourd'hui le plus grand stade d'Allemagne. Les buts de Hertha BSC, club de grande tradition, y sont chaleureusement fêtés. Mais on n'y acclama pas uniquement des événements sportifs, ces plaques commémoratives documentent hauts et bas du stade. Dans la Waldbühne, toute proche, les Rolling Stones par exemple donnèrent le ton. Grunewald signifie la forêt verte. La tour de Grunewald est un but de promenade prisé dans ce parc protégé. Elle fut érigée en 1897 pour le 100e anniversaire de Guillaume Ier. La plage de Wannsee, parmi les plus grandes d'Europe, offre aux baigneurs 500 fauteuils cabines et 1800 chaises longues. Les jours de grande chaleur, on y compte jusqu'à 30 000 personnes. Les vapeurs et les bateaux de ligne desservent toutes les îles de la Havel et bien sûr l'île au pont. L'alchimiste Johann Kunkel y produisit le précieux verre rubis avant que Frédéric Guillaume II n'offre cette île à son amante. Son château y fut construit en 1794 dans le style d'une ruine romantique. Plus tard, Frédéric Guillaume III fit créer au paysagiste l'aîné un parc anglais avec des chemins entrecroisés. Son zoo privé était peuplé d'animaux exotiques. Pour Fontane, cette île était toujours une île mystérieuse. Quelques minutes en aval, voilà la magie du parc de Glinicke. Conçu également par l'aîné comme parc d'aventure. Ses panoramas toujours différents et ses bâtiments de style variés surprennent. Les formes classiques caractérisent le château avec sa fontaine au lion, transformée par Schinkel. L'harmonie entre architecture et paysage font de l'ensemble une œuvre d'art de niveau européen. Le pont de Glinicke, ancienne frontière, était utilisé par les Russes et les Américains pour leurs échanges d'espions.
On longe le château de Babelsberg, modifié lui aussi par Schinkel, pour arriver aux bras latéraux de la rivière. Les excursions en bateau sur les lacs et les canaux sur la Havel et la Spree durent plusieurs heures. Berlin, vu de son côté, le plus calme et idyllique. Lorsque les vapeurs approchent le débarcadère, il reste le souvenir des bâtiments du maître Schinkel. Comme, entre autres, son pavillon dans le parc du château de Charlottenburg. Le château de Charlottenburg fut commencé en 1695 par Johann Mering et s'appela d'abord Lützenburg. Il était destiné à Sophie Charlotte, épouse du prince électeur Frédéric III. Après sa mort, il fut rebaptisé en château de Charlottenburg. Un chef-d'œuvre baroque se trouve dans la cour d'honneur. En 1698, Andreas Schlüter créa le monument au grand prince électeur. Son fils Frédéric, après son sacre comme premier roi d'Allemagne, chargea Eosander von Goethe d'une décoration fastueuse. Ses successeurs, Frédéric le Grand et Frédéric Guillaume II, chargèrent les bâtisseurs Knobelsdorf et Langhans de poursuivre la construction. Un parc immense invite à la flânerie derrière le château. Le musée égyptien se trouve directement en face du château. Son joyau le plus connu est sans aucun doute le buste de Nefertiti. La grâce des sculptures peintes en calcaire vaut déjà la visite. La collection montre l'évolution de l'art dans l'Égypte ancienne de 5000 avant Jésus-Christ jusqu'à 300 après Jésus-Christ. Ces objets de renommée mondiale ne se trouvent pas dans les musées, mais sur les étagères de l'atelier des plâtres. Celui-ci relève de l'administration du musée d'état des biens de la culture prussienne. Y sont conservés environ 12 000 moules de reliefs et de sculptures qui permettent des moulages en plâtre, en bronze, en résine ou bien d'autres matériaux. Le plus souvent, l'empreinte a été prise directement sur l'original. Lorsqu'on fabrique ici une œuvre de Michel-Ange, l'acheteur n'achète pas un faux, mais une réplique exacte de l'original. Les plâtriers et les stuccateurs sont chargés de ces fabrications. Pendant la préparation du moule, puis le séchage du plâtre, les princesses Louise et Frédéric de Prusse subissent les dernières retouches. Ensuite, on libère le plâtre du moule avec précaution, puis on le polit. La dernière étape, une peinture authentique garantit que seuls des spécialistes pourront distinguer la réplique de l'original. Des œuvres détruites depuis longtemps auraient disparu à tout jamais s'il n'en existait plus ces moules. L'atelier de moulage prend donc de plus en plus de sens. Un monument haut et auguste, comme aucun autre dans le pays et comme aucun autre peuple n'en possède. Ainsi inaugura-t-on avec faste la colonne de la victoire, le jour de Sedan. Elle fut d'abord sise au Reichstag. Depuis 1939, elle domine le Großer Stern, visible de très loin. Cette victoire dorée rayonne encore de la gloire wilhelminienne. Lui, par contre, bien que tout proche, est déjà recouvert de vert de gris. Bismarck, fondateur du Reich, en uniforme de cuirassier.
L'ancien palais des congrès situé dans le nord du Tiergarten est aussi célèbre. Symbole de l'amitié américano-allemande, l'huître enceinte fut construite en 1957 avec des fonds américains. Dans le bassin, avant, se trouve la sculpture Butterfly d'Henry Moore. Derrière le palais, aujourd'hui la maison des cultures du monde, démarre des circuits d'excursion dans Berlin sur la Spree. Un tiers environ de la superficie totale est constitué d'espaces verts, forêts et eaux. Berlin, la ville aux mille ponts, c'est bien plus que Venise n'a à offrir. Une traversée idyllique du centre-ville en bateau. Où est-ce possible? À Berlin. Dans l'ancienne forêt des rives de la Spree, le Tiergarten actuel, Frédéric II utilisa la situation prédestinée pour construire un château. Il le fit construire en 1785 pour son frère Ferdinand. Il le baptisa à juste titre Bellevue. Ce château est aujourd'hui la résidence officielle du président de la République. La Spree permet une vue imprenable sur la nouvelle chancellerie. C'est là, dans ce coude de la Spree entre le château de Bellevue et le Reichstag, que se trouve le nouveau quartier du gouvernement. Les politiciens et autres habitants de Tiergarten apprécient la double qualité de ce quartier. Ils habitent dans le centre et leur lieu de détente est à leur porte. C'est l'artiste paysagiste Lainé qui façonna cet immense parc. Les conséquences fâcheuses de la Deuxième Guerre mondiale sont presque invisibles pendant l'été. Le Tiergarten est le lieu de détente numéro un de Berlin. Un havre de paix en plein cœur d'une métropole intense. L'ancienne Charlottenburger Chaussée traverse le Tiergarten dans son milieu. Rebaptisée rue du 17 juin en 1953, elle accueille le plus grand marché aux puces et d'artisanat tous les samedis et les dimanches. Les différents stands situés entre l'université technique et le Zigzäule proposent un chaos bigarré et certains trésors dissimulés. On y trouve de quoi satisfaire tous les goûts. Des objets de toutes sortes, d'historiques à grotesques et beaucoup de kitsch. Ce marché attire les touristes tout autant que les Berlinois. La diversité de l'offre peut prolonger le visiteur dans l'ivresse des achats ou assommer celui qui cherche. Le Reichstag se trouve à l'extrémité du Tiergarten. De 1894 à 1933 se réunissait le Parlement de son bâtiment de Paul Wallow. L'empereur Guillaume II l'appelait avec mépris la singerie du Reich. Son incendie et la Deuxième Guerre mondiale l'ont laissé en ruine. Après une rénovation de 600 millions par Sir Norman Foster, il abrite le Parlement allemand. Le bâtiment est orné d'une coupole de verre de 40 mètres de large et de 23 mètres de haut. La moitié de l'ancienne coupole, mais accessible toute l'année. 100 ans plus tôt avait été construite tout près la plus célèbre des 14 portes de la ville existant autrefois. La porte de Brandenburg, symbole de partition et de réunification, elle ne cesse d'attirer les visiteurs étrangers. Le Quadrige de Schadow fut détruit pendant la guerre. Grâce à l'atelier du moulage déjà évoqué, il a été possible d'en couler une réplique. En 1997, Berlin retrouve avec l'hôtel Adlon son grand hôtel de tradition sur le Pariser Platz. L'histoire de l'Adlon commença en 1907. Il devint en 3 ans un des hôtels les plus beaux et les plus luxueux du monde entier. L'avenue Unter den Linden débute sur le côté de la porte de Brandenburg, le réveil du grand boulevard.
Aucune rue de Berlin qui n'ait plus été marquée par l'histoire, le grand prince électeur passait déjà, il y a 300 ans, sous les tuiles à cheval. Frédéric II l'a fait aménager en avenue représentative et en fit l'axe le plus important de la ville en construisant des bâtiments fastueux. Le vieux Fritz trône à nouveau à 14 mètres de haut, immense devant la Bibliothèque nationale. Pour les étudiants, entre autres, la Bibliothèque nationale allemande est une mine presque inépuisable. Elle compte plus de 5 millions de livres, d'incunables, des autographes et aussi des partitions de valeur, par exemple la 9e symphonie de Beethoven. Ce bâtiment néo-baroque fut construit entre 1903 et 1914. Allons maintenant au gendarmerie. C'était la plus belle place de Berlin avant la dernière guerre qui la détruisit. Restaurée, elle est redevenue sans conteste possible. Les deux églises, les cathédrales françaises et allemandes, furent construites au début du XVIIIe siècle. Le Schauspielhaus, autrefois théâtre national, fut reconstruit par Schinkel après un incendie. Parfaitement restauré, devenu salle de concert, il resplendit à nouveau. Les drames de Schiller connurent ici des mises en scène spectaculaires, que ce soit sous la direction de Léopold Gessner ou de Gustav Gründgens. La place et son ensemble harmonieux de bâtiments la dégagent encore, cette époque qui rend la ville unique. La cathédrale française abrite un petit musée huguenote et le café de la Tour, qui offre une vue merveilleuse et de bon vin. Mais revenons sous les tilleuls. Une petite pause à une des nombreuses terrasses. Voir et être vu. Impression d'un grand boulevard. L'endroit idéal pour collectionner les impressions les plus diverses. Les petits gens se contentent de peu. Les grands sont attirés par la porcelaine de Meissen. Il est possible de se déplacer en rickshaw. Par exemple, jusqu'aux Galeries Lafayette, dans la Friedrichstraße, la rue s'est métamorphosée depuis la réunification. Un nouveau lieu de flânerie a été créé en plein centre-ville. La mise en scène de la mode et l'architecture originale du français Jean Nouvel ne doivent en aucun cas manquer au programme. Les Galeries Lafayette sont mitoyennes au passage de Friedrichstadt, reliées entre eux par une zone piétonne souterraine. Des créateurs de renommée mondiale font de la haute couture pour dames et des articles de luxe pour hommes. Lorsque les gens s'attroupaient devant la Neue Wache, c'était l'heure. L'heure d'une relève de la garde, dans la tradition prussienne. Le bâtiment, construit par Schinkel en 1816, abrita d'abord la garde royale et plus tard les victimes du fascisme et du militarisme. Ce défilé au pas de loi est désormais passé. La flamme éternelle s'est éteinte dans la Neue Wache. Elle a été remplacée par une sculpture de Käthe Kollwitz. Une mère et son fils mort. Elle fait office de lieu commémoratif central de la République allemande, dédié aux victimes des guerres et de la violence. Les soldats de l'armée populaire nationale se dirigeaient vers le bâtiment dont venait la relève, le Zeughaus.
Le plus ancien bâtiment d'Unter den Linden est un des édifices baroques les plus importants du nord de l'Allemagne. Il fut commencé en 1619 sous la direction de Johann Nering. Ce bâtiment, au cours des siècles, servit d'arsenal, de musée aux trophées, de musée d'armement et de panthéon. Le musée de l'histoire allemande y élut domicile dans les années 50. Il s'appelle aujourd'hui le musée historique allemand. La plupart des cafés avec terrasse sont situés là, près du Schlossbrücke, comme le café de l'Arsenal ou en face le café de l'Opéra. Après avoir bu au café, on va le soir à l'Opéra. Un attelage à 6 chevaux amène à Frédéric le Grand en 1743 à l'inauguration de Deutschen Staatsoper par le chemin de sable. Le roi de Prusse avait 2 ans plus tôt chargé le maître bâtisseur Knobelsdorf de construire ce bâtiment représentatif. Il fut un des premiers théâtres ne dépendant pas d'un château. L'opéra brûla entièrement 1 siècle plus tard et fut construit par Langhans. Il fut entièrement détruit par la dernière guerre, sa rénovation réussie fut fêtée le 4 septembre 1955 avec les maîtres chanteurs de Wagner. Le programme en est éclectique. On peut y assister aussi bien à des représentations modernes que bien sûr à des mises en scène classiques. À côté de l'opéra se dresse le Berlin Palais, appelé autrefois Kronprinzenpalais. Il forme avec l'arsenal la fin du boulevard historique. Celui-ci conduit après le Schlossbrücke à Alexanderplatz et s'appelle alors Karl-Liebknecht-Straße. 2 mondes s'affrontent même sur le plan architectural. La cathédrale à gauche du pont, à droite le palais de la République. Le château des Hohenzollern avait occupé cet endroit depuis 1443. Le plus vieux plan de Berlin montre la ville vers 1650. Les deux villes, Berlin et Cologne, s'unirent en 1307 puis se séparèrent à nouveau pour se réunir définitivement en 1709. Il existe encore des restes du mur d'enceinte datant du XIIIe siècle, mais le château fut détruit. On construisit un palais à sa place, l'Assemblée populaire de la RDA est siégée, et le palais de la République devait impressionner. Mais les citoyens de la RDA se montrèrent peu enthousiastes, ils baptisèrent le colosse magasin de lampes d'Honecker. Les portes en sont closes et les lumières définitivement éteintes à cause de la présence d'amiante. Les urbanistes n'ont pas encore décidé si le château sera reconstruit ou si un bâtiment entièrement nouveau sera érigé. Lors des festivités nocturnes de la réunification sur la place Max-Angel, le palais n'avait plus qu'un rôle de décor. Au sud-est s'élève l'ancien conseil d'État de la RDA, depuis le balcon duquel Karl Liebknecht proclama la libre république en 1918. Le bâtiment fait aujourd'hui office de chancellerie fédérale. Sur l'autre rive de la Spree, le nouveau ministère des Affaires étrangères. La cathédrale, elle, est encore debout. Les dégâts provoqués par la dernière guerre ont été éliminés. Cet édifice wilhelminien, dans le style de la Renaissance italienne, a retrouvé son aspect du début du siècle, époque de sa construction. Au nord de la cathédrale, entre 2 bras de la Spree, un complexe de musées importants qui porte le nom d'île au musée. L'ancien musée, chef-d'œuvre classique de Charles Frédéric Schinkel, fut le premier musée de Prusse. Il accueille le cabinet d'estampes et une collection de dessins
Devant l'entrée, la plus grande coupe en granit jamais sculptée dans la pierre. Le bâtiment derrière le musée était ainsi à l'origine. Il s'agit de la Galerie nationale qui est érigée sur un socle en hauteur. Ressemble à un temple corinthien avec son escalier extérieur très large. Construite entre 1866 et 1876, elle devait servir de salle des fêtes, puis elle fut aménagée en musée d'art contemporain. On y expose désormais surtout des peintures et des sculptures de la fin du 18e jusqu'au 20e siècle, qui conservent tout leur intérêt pour les études de nu. Alexandra Calandrelli est l'auteur de la statue en bronze représentant le roi Frédéric Guillaume IV à cheval. L'ancienne Galerie nationale et les autres bâtiments de l'île au musée doivent être rénovés régulièrement. Les effets de la guerre ne sont pas les seuls à avoir laissé des traces. L'eau de la Spree attaque constamment les vieux murs. Le Espan qui traverse l'île à grand fracas secoue sans cesse les fondations. Le musée de Pergame est au centre de l'île. Son attraction principale est l'hôtel de Pergame, reconstruit au cœur du musée. Ce chef-d'œuvre hellénistique fut construit entre 180 et 160 avant Jésus-Christ, en hommage à Zeus et Athéna, déesses protectrices de Pergame. Plus de 100 personnages, plus grands que nature, représentent des scènes dramatiques, le combat des dieux contre les géants. D'une longueur de 120 mètres, il s'agit du plus long bas-relief de la Grèce antique parvenu jusqu'à nous. Il recouvrait tout le socle de l'hôtel, à l'exception de l'escalier extérieur. À la pointe de l'île au musée se trouve le bâtiment néo-baroque du musée Bode. Il fut inauguré en 1904 sous le nom de musée de l'empereur Frédéric, mais fut rebaptisé en 1956 en l'honneur de son fondateur Wilhelm von Bode, qui avait rendu de grands services en tant que directeur des musées de Berlin pendant de longues années. Ce bâtiment abrite une collection de sculptures, une galerie de peintures, une collection byzantine des débuts du christianisme, un cabinet de médailles et la collection égyptienne. Cette dernière contient des membres de la famille pharaonique, du roi Akhenaton à la reine Néfertiti. Presque tous ces bâtiments étaient en ruine après la Première Guerre mondiale. Certains furent définitivement gommés du paysage. La destruction des ruelles du centre du vieux Berlin était épouvantable. Dans le quartier Nikolaï, on reconstruisit le plus vieux bâtiment sacré de la ville, l'église Nikolaï, construite autour de 1220. Tout le quartier fut reconstruit avec ses innombrables petites ruelles, avec un grand amour du détail. Les façades, les pignons bas, encore bellement et enseignes en fer forgé sont conformes à la réalité historique. Les restes authentiques ont été complétés par du préfabriqué, une petite ville idyllique en plein centre de la métropole. Dans la Weisenstraße, à proximité du tribunal communal, il y a un bâtiment dans son état original de 1621.
le plus vieux café de Berlin, bien nommé Zur letzten Instanz. Réconfortait autrefois les personnes affaiblies par les procès, et aujourd'hui les notabilités et les touristes. Qui n'apprécie pas la cuisine lourde a une bonne adresse à disposition sur le Märkischer Ufer. L'ancienne maison de maître des industriels du tabac Hermeler se trouvait à l'origine dans la Breite Straße, un des grands boulevards de Berlin. On l'a démolie et on l'a reconstruite ici. Cet édifice baroque à l'intérieur rococo propose des plaisirs raffinés dans plusieurs salles de restauration à l'ambiance feutrée. Heinrich Zeller n'y serait pas entré pour se livrer à ses études de milieu. Il caricaturait la vie simple des cafés bon marché, des arrière-cours sombres. Son monument est un peu à l'écart, contrairement à cette sculpture monumentale. La fontaine de Neptune se trouve dans la Spandauer Straße, entre l'église Sainte-Marie et la mairie. Le dieu des mers est entouré de sa cour et de quatre personnages féminins représentant le Rhin, l'Elbe, l'Oder et la Weichsel. En 1888, la ville offrit cette fontaine à l'empereur Guillaume II, que Reinhold Degas finit en 1891. À l'origine, la fontaine avait été installée devant le château, et c'est seulement en 1969 qu'elle trouva son emplacement actuel. La mairie de Berlin, appelée « Mairie Rouge » à cause de sa façade en briques, rappelle un palais italien de la Renaissance. Il a été construit en 1861-1870 par Wesermann, à l'endroit où se trouvait déjà la mairie moyenâgeuse. À la hauteur du premier étage, le bâtiment présente une frise, la chronique de Berlin. L'église Sainte-Marie, église gothique située directement en face, est un des édifices les plus anciens de la ville. De nombreux visiteurs de l'ouest et de l'est animent le large cercle qui est l'Alexanderplatz. Les paysans des quartiers extérieurs de la ville offrent leurs marchandises sur les marchés hebdomadaires. La place porte ce nom depuis la visite du tsar Alexandre Ier en 1805. L'ex-marché aux bestiaux et champ d'exercice est facile à localiser. La tour de la télévision avec ses 365 mètres indique le chemin. La gare d'Alexanderplatz en verre est d'une grande élégance. Fut inaugurée en 1882 par l'empereur Guillaume Ier lui-même. L'événement était d'importance. Le premier S-Bahn fut lancé et les Berlinois modernes étaient fort fiers de ce moment de transport de banlieue le plus rapide du monde. Le premier métro souterrain et aérien suivit 20 ans plus tard. Tous les quartiers importants de la ville sont aujourd'hui reliés par le rail, qu'empruntent aussi régulièrement les trains des grandes lignes. L'Alexanderplatz se poursuit à l'est de la gare. Au premier coup d'œil, l'Alex, comme on l'appelle, est presque trop étendu. La vie n'occupe cette immense place qu'avec hésitation. La cohue bigarrée qui se presse aux échoppes anime la place, qui est dominée par une horloge universelle visible de loin.
Le nom du tsar fait augmenter le chiffre d'affaires dans la gastronomie. Et tout particulièrement en ce qui concerne la currywurst, son succès mondial parti de Berlin. Elle vit le jour dans la partie ouest de la ville, sur la Stuttgarter Platz. Hertha Heuwe, 1948, créa la première currywurst du monde. Les internationaux de la currywurst se rencontrent plutôt à Prenzlauer Berg. Le snack de Waltraut-Seevogel est une île au milieu de la circulation. Elle reprit il y a de nombreuses années le grill, Grillkonopke, et le mène dans le respect de la tradition. Ces currywurst ont la meilleure réputation. Elles sont travaillées à la main et assaisonnées avec raffinement. Malgré la concurrence du kebab et du hamburger, le succès de la currywurst berlinoise ne faiblit pas. Revenons de Prenzlberg dans le centre-ville. Près de la gare Friedrichstrasse, le théâtre sur le Schiffbauer Damm, c'est ici qu'eut lieu la première de l'opéra de Katsu de Brecht en 1928. Ce théâtre devint après 1954 le lieu de représentation de Berliner Ensemble que Brecht et Helene Weigel avaient fondé. La maison de Brecht dans la Chausseestrasse jouxte le cimetière Dorotheenstädtischen Friedhof. Ces deux grands personnages du théâtre allemand y ont trouvé le repos éternel, tout comme un certain nombre d'autres personnalités. Chaque soir, dans la Friedrichstrasse, se remplit la grande salle du Friedrichstadtpalast, qui compte presque 2000 places. Die steile Treppe in einen finsteren Keller hinuntersteigen und sich tausend kleine Spinnweben um ihr Gesicht legen. Le show intime commence plus tard. Ce théâtre de variété le plus moderne et le plus important d'Europe est alors traversé par un souffle de glamour comme autrefois. À quelques pas, le pont Weidendamme sur la Spree, c'est sous aile de l'aigle prussien que Théodore Fontane se fiança avec Émilie Gouanet. L'ancien et le nouveau se côtoient sans cesse à Berlin. La ville a de nombreux visages. On trouve en plus d'une architecture moderne de nombreux édifices du baroque et du classisme et de l'époque wilhelminienne. Le musée d'histoire naturelle est lui aussi resté intact depuis 1889, dans l'Invalidenstrasse. Il est rattaché à l'université Humboldt et compte parmi les meilleurs du monde dans sa catégorie. La collection zoologique exposée compte 20 millions d'objets. Les attractions principales en sont le plus ancien oiseau connu, Archaeopteryx, dont il ne reste que 5 exemplaires fossilisés. Et le squelette long de 23 mètres et haut de 12 mètres d'un saurien géant.
La plupart des squelettes viennent de l'est de l'Afrique. Mais pas cet objet. Il s'agit d'un squelette provenant du musée du chien de Berlin-Blankenburg. 20 000 objets exposés dans cette salle. Le chien le plus grand et le chien le plus petit. Des quadrupèdes en porcelaine ou bien en savon. De vieilles photos de chiens, arbres généalogiques, médailles, carnets, les vitrines d'exposition débordent d'objets. Ceci se trouve aussi dans ce musée, une attestation d'examen concernant un teckel. N'oublions pas une section qui concerne les chiens en peluche. Si ce musée du nord-est de Berlin est encore un tuyau secret, une autre curiosité de l'autre côté de la ville est connue dans le monde entier. Le château sans souci à Potsdam. Comme du temps de sa splendeur, les célébrités s'y voient à nouveau. Les visiteurs de tous les pays se rencontrent sur la terrasse de Frédéric le Grand. Sans souci, le roi de Prusse francophile souhaitait y vivre sans souci et en paix. Il esquissa lui-même le château de ses rêves, que le maître Georg Wenceslaus von Knobelsdorff réalisa entre 1745 et 1747. Il est situé dans un parc de 280 hectares qui conduit au bâtiment rococo par 6 terrasses dans le style français. Les jardins offre des vues variées sur les sculptures en marbre, le nouveau palais avec les grottes et la galerie de marbre, l'orangerie, une maison de thé chinoise, la colline de ruines, la maison du dragon, le temple antique, les bains romains et d'autres bâtiments construits au goût des époques. Invité par le monacre, le philosophe français Voltaire demeura ici 3 ans et puisa son inspiration dans le parc, dans des longues discussions et dans des concerts de flûte. Lorsque Fritz mourut, atteint de goutte, le 17 août 1786, il ne se doutait pas que Berlin vivait une deuxième renaissance après 200 bonnes années.